Les amis, ce sont des heures très sombres pour la plupart d'entre vous parce que oui, c'est la rentrée, oui! Je suis désolé pour vous. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu de rentrée, les gars. Ça fait 3 ans, les gars. 3 ans que je suis pas allé à l'école. 3 ans que je n'ai pas vu une école. Pour la plupart, vous êtes très loin de ça, les gars, et je vous souhaite d'être très loin de l'école. Quoique, j'ai quand même vécu certaines des meilleures années de ma vie au lycée, les gars. Collège, ça puait la merde. Très clairement, au collège, t'as le droit de rien faire. Le lycée, c'est quand même un peu mieux. Sachant que j'y allais 3 mois par an, donc bah, j'y allais pour m'amuser, quoi, très clairement. Et j'ai eu mon bac! Voilà, je tenais, voilà, non. Eh, c'est pas parce que le youtubeur, il compte. Je sais pas comment, mais je l'ai eu. J'ai pas eu de mention, mais c'est pas grave. En tout cas, cette vidéo, c'est pour donner de la force, les gars. Donner de la force à tous mes Russes et mes refs là, qui vont subir, les profs, qui vont subir la pression que le système scolaire inflige à nos jeunes depuis des années. Mais bon, ça, on va pas en parler. Bah non, sinon, je vais me faire censurer par le gouvernement. Que vous ayez des COEF 12 au bac ou que vous ayez des petites pastilles en maternelle, cette vidéo est faite pour vous parce qu'aujourd'hui on va rigoler, les gars. Parce que on a besoin là, on a besoin de voilà de détente. Il faut déstresser et qu'est-ce qu'on fait quand on déstresse? On voit des gens qui ont des vies plus nulles que nous. Voilà, c'est Internet. Merci Internet. Mais bien sûr, avant de commencer cette vidéo, déjà je vous invite si vous jouez à Fortnite, voilà cette vidéo n'est pas sur Fortnite, mais si vous jouez à Fortnite, de mettre le code GUGU dans la boutique de Fortnite, un des codes les plus simples au monde, vous le savez. Tu likes cette vidéo, tu t'abonnes et tu mets la cloche pour avoir toutes les news. Voilà quand je sors une vidéo, les gars. Et bien sûr, suivez-moi sur mes réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. Allez, vidéo pour la rentrée, c'est parti! Je vous souhaite une bonne rentrée, yeah. Force à vous les refs, force à vous les refs. De retour au collège, les gars, c'est parti! Ça démarre, les conneries. Les conneries sur des chapeaux de roue, mais évidemment! Oh, ce genre de prank, qu'est-ce qu'il fait? Calme-toi, frère. Waouh, par contre, mais il a invoqué un démon. J'ai peur. Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Toi, j'ai très peur de ce qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va nous faire, le ref? C'est un professeur ou c'est un élève? Wesh les gars, waouh. Calme. Imaginez, c'est votre premier jour de classe. Il vous arrive ça. Comment est votre vie le reste de l'année? Oh là là, ça va être des surnoms très très salés qui va se prendre. Il a quand même troué le sol de la classe. C'est pas un mur, hein, un sol. C'est solide, un sol. Après, le sol était peut-être fait la même matière que l'éducation française. Non, en carton pâte. Ouais, je dénonce. Bon, là, on est typiquement chez les ricains, les gars. J'ai jamais eu des casiers comme ça en France, les gars. Là, on est chez les ricains. Et chez les ricains, c'est des dingueries. Regardez ça. Moi, j'avais ça à mon lycée, je me faisais ban du lycée. Je vais te dégager, vous me le bannez, lui. Mais qui fait ça? Bah ouais, bah tu voulais que ça se passe comment d'autre? Tu cherches la merde. Oh, je l'ai vu. J'ai vu cette vidéo. Et tout ce que j'ai à vous dire, c'est... Et bam! C'est hardcore de fou. Bah tiens, si elle tomberait pas de sa chaise. Même pas eu besoin de regarder, je sais ce qui allait se passer, c'est obligé. Et vous savez que les gens qui font ça, je vous connais, vous faites exprès de tomber parce que vous n'avez pas eu assez d'attention durant l'enfance. Et c'est compréhensible. Du coup, vous voulez attirer l'attention sur vous. C'est impossible de tomber d'une chaise comme ça, d'accord? Il faut le vouloir. Arrêtez, c'est fini. Ouais, on est aux States là. Moi j'ai pas des trucs comme ça. Oh, c'est merveilleux, une course de... What? What? Attendez. Déjà, c'est une course de poubelle, gros. La meuf, elle a ouvert une porte vers un autre monde. Regardez ça. Genre, tu crois qu'elle va se prendre le mur, mais non. Hop, elle est partie, gros, elle ouvre une porte et c'est barré. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu vas faire avec cette poubelle, gros? Mais c'est gratuit de fou, moi je lance des poubelles sur des gens qu'on a demandé. Connard, tu es méchant. Ouais, c'est la fête, on s'en met. Non, oh non, oh non, la pauvre. Mais même moi, je l'avais pas vu, ce poteau. La pauvre. Devant plein de meufs. Il fait ça devant plein de meufs. Et il ne pourra rien faire avec ces meufs après, vu ce qui se prend là. Oh, de chez les plus petits. C'est ma communauté Fortnite, ça, c'est ma... Je plaisante, ça va. Tu vas m'écrire un mauvais commentaire. Ça va, je rigole. Oh, regarde ce qui se passe. Oh, elle l'a séché. Eh, pourquoi tu grondes? Mais elle a grondé Timéo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a bavardé un petit peu avec ses camarades. Donc, elle lui met un... C'est quoi? Elle lui met un mauvais point? Karma. Allez, tiens. Voilà. Sape ton autorité devant ces mômes. Te mets pas debout sur des tables. Si tu vois bien que c'est une mauvaise idée, bah oui. Oh là là, elle a dû se péter la cuisse. Oh ma boy. Oh ma boy. Qu'est-ce qui t'arrive, frérot? Fais pas ça. C'est un ouf. Ça va, s'il rigole, c'est que ça va. Moi, s'il rigole, ça me va. Pourquoi vous avez des vélos dans les couloirs? Here we go. Back home, here we go. Ok, est-ce qu'on peut remettre ce moment de joie sur son visage, s'il vous plaît, les gars? Juste avant le drame. Ces gens vivent clairement des pires jours d'école que nous, quoi. Oh, mais arrêtez de vous faire mal! Mais qu'est-ce que t'essayes de faire? Qu'est-ce que t'essayes de prouver? Ça, c'est drôle. Ça, je valide. Ça, j'adore. Je vois des gens rigoler et puis ça me manque un peu, quoi. Ça me manque un petit peu, le lycée, quoi. Genre, je vais peut-être retourner et arrêter YouTube. Je vais reprendre mes études. Non. Non, en fait, non. Non, j'aime bien ce que je fais, finalement.
Oh shit! C'est quoi ça comme technique de drague? Je vais peut-être lui faire un backflip dessus et il me remarquera enfin. Et boum! Il te marre ta clé, vieille meuf! Il te marre ta clé! Hop là, comme si de rien n'était, on fait genre il s'est rien passé. On est trop les meilleures copines! Oh là là, dis donc, hop là, les cheveux! Oh, je suis tombée de ma chaise! Mais les gars, ça vient de me faire penser à un truc là. Je sais pas ce qu'elle voulait faire, mais ça me fait penser au TikTok. Les gars, ça va être comment? Parce que là, ça reprend en présentiel les cours et tout. Le monde de TikTok va être associé tellement plus à l'école maintenant. Vu que ça revient, les deux sont ensemble. Qu'est-ce que ça va faire, les gars? J'ai trop peur de ça. J'ai trop peur de cette génération TikTokienne en école. Bref, suivez-moi sur TikTok et envoyez-moi vos meilleurs TikTok en cours. J'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai envie de voir ce que ça donne, les gars. Vous allez faire des trucs de fou, je le sais. Oh! Choupette! Elle va se trale la gueule. Oh, c'est trop mignon! Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu tentes? Non, ne tente pas ça. C'est mal de rire à ça. Mais il s'est vraiment pris dans le coin de la table. Mais attends, par contre, attends. Est-ce que c'est ce genre de mec qui fait genre, y'a rien, frère, j'ai capté le bail. Tout prévu, tout prévu. Okay, il fait vraiment le mec qui a pas mal. Par contre, ça me fume vraiment. Je me le remets parce que juste ses moves me font rire, en fait. Non, ça me fait rire. Ça me fait rire de fou. Qu'est-ce que tu fais? Waouh. Ouais, mais d'accord. Ça, c'est la version masse musculaire de la meuf qu'on a vu tout à l'heure qui voulait s'éclater contre les glaciers. Là, c'est la force bleue qui a détruit... Attends, mais comment c'est possible? Comment tu fais ça, frérot? Mais il a créé une onde de choc tellement il est puissant. Regardez, il tape dans les casiers. C'est le toit qui tombe. C'est bon, ok, je veux que ce soit un Avenger. C'est un Avenger, les gars. J'ai jamais eu ça, moi. Oh, mais non, mon pauvre. En plus, c'est le plus petit et tout. Oh non, bah les deux, il va s'éclater. Mais c'est le plus petit en même temps, il a pas les mêmes jambes que les autres. Ça se trouve, il veut faire des maths. Ça se trouve, il veut faire des maths et son père, il dit, non, tu seras sportif. Son père a l'accent russe. Et pourquoi nous, on n'a pas ça? Pourquoi on n'avait pas du saut comme ça au lycée? Après, peut-être qu'on en avait, je sais pas, je séchais, donc... Vas-y, mon grand. Il se les prend toutes. Oh, c'est horrible. Passe en dessous, frérot. On est ensemble. Oh là là, je sens que ça va me faire rire. Je sais pas ce qui va se passer. Toi, par contre, tu n'es pas un Avenger. Pourquoi t'essayes de faire ça? Tu vois bien que la distance est triplement celle de ton corps. 1, 2, 3. Bah ouais, bah 1, 2, 3. Ouais, ça me plaît, ça. Pourquoi on n'a pas ça en France aussi? Regardez, ils sont tellement plus talentueux là-bas. Vas-y. Arrête-toi, mais faut t'arrêter, frère. Arrête-toi. Personne lui dit, stop, arrête, tu vas te faire mal et ça va pas du tout faire un contenu drôle sur YouTube. Les amis, vous aurez vu les plus grands combats. McGregor, je sais plus qui, McGregor, je sais plus quoi. Mais là, les amis, c'est vraiment un combat digne de ce nom. Quel est le projet? Je sais même pas s'il voulait se battre ou faire de la capoeira, gros. Mais je veux ça! Je veux ça en France! Pourquoi on n'a pas ça? On avait des balles tout pétées, frère, on a des kermesses, là. Ouah, le pauvre. Continue dans ta course, vas-y, mon petit! T'es grand! C'est bon, il a survécu. Mais pourquoi on n'a pas ça, nous? Frère, on a des kermesses. On joue à la pêche à la ligne. Volleyball. Oh, shit, dans la gueule. Sachez que à toutes les personnes qu'on fait ça, qu'on envoie des ballons dans la gueule sans faire exprès, sachez que c'est pas sans faire exprès. On vous a avisé, on vous déteste. Mais le pauvre. Non, le pauvre. Ok, d'accord. En vrai, ça, c'est marrant. Je suis le genre d'élève qui dormait beaucoup en cours. Et on m'a jamais fait ça. J'aurais kiffé que ça m'arrive, que ma classe me prank, en fait. Mais de toute façon, personne m'aimait, donc on s'en foutait. Mais c'est pas grave. En tout cas, cette classe-là, les gars, ils ont fait ça à ce petit-là. Et le pauvre, regardez juste ça, quoi. Regardez-le, il est en flip total. Et voilà, comme si c'était pas assez. Le pauvre. Oh, il va se bouffer le... Mais il y a plein de mecs comme ça. Il y a un mec comme ça, il y avait plein de remix sur lui. Y'a rien qui me mettait plus mal à l'aise que ceux qui faisaient option théâtre. Je tenais à vous le dire, voilà. Tu peux dire au revoir à ta bourse, voilà, parce qu'elle va devoir acheter le micro de l'école. Il fait de la peine. Fais un spectacle comique, rattrape-toi. Tente pas, oh non, non, mais ne tente pas des choses comme ça devant des milliers de gens. Ne fais pas ça, tu sais très bien que si ça se passe mal, t'es mort. Oh, ok, y a de la production, là ça me plaît. Putain, la vache, voix m'a fait peur. C'est tellement allé vite, ça m'a fait peur. J'allais dire, il y a de la production, ça me plaît, un fond vert. Bah ouais, bah, il faut que je fasse... Il y a un fond vert. Faut que je fasse un montage, ça va me prendre du temps, mais... Tu étais mon frère, Anakin. Ça allait dans ta mère. Ça, c'est le truc des mecs stylés. Les mecs stylés, ils arrivent à slide leur cul sur les barrières comme ça. Je crois que je l'avais fait, les mecs, parce que je crois que j'étais un gars stylé.
Sauf que j'ai pas eu le même atterrissage. Bon, et bien les amis, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère quand même que vous aurez bien rigolé, ça vous aura détendu avant ce deuxième jour d'école. Bah oui, parce que là c'est la reprise, ça y est, maintenant c'est la ligne droite, les gars, faut y aller. Donc je vous souhaite à tous un énorme courage, une énorme force, voilà, pour continuer dans vos études ou dans, voilà, dans avoir votre bac, votre brevet. Ça dépend dans quoi vous êtes. Grosse force à vous tous. Bien sûr, pour me soutenir, les gars, si vous avez le temps de mettre le code Gugu dans la boutique de Fortnite, si vous jouez à Fortnite, GUGU, un des codes les plus simples au monde. Ça me ferait extrêmement plaisir aussi que vous likiez cette vidéo, que vous abonniez, que vous mettez la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bien sûr, suivez-moi sur les réseaux, Instagram, Twitter et TikTok. Comme ça, vous pourrez liker mes photos quand vous serez en cours de maths, sans vous faire choper, évidemment. Bien sûr, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Salut! Bonne rentrée, force à vous les refs, force à vous les